Sylvain, racontez-nous ce chrono, c'est interminable. Hein. Bah ouais, c'est super long comme chrono par équipe. Et ouais, il faut bien gérer l'effort. Mais nous, je pense qu'on a encore des choses à apprendre et à améliorer. Parce que ouais, à la fin, on n'était que à 4 pour faire la deuxième partie. Et donc, c'est vraiment beaucoup seulement à 4. Vous avez parlé de gestion, ça semble être la clé ici. Mais comment on fait pour justement appréhender la gestion d'un si long chrono alors qu'on n'en fait pas vraiment au long de l'année des si longs? Bah oui, c'est les derniers championnats du monde, c'était 40-50 km. C'est sûr, 10 km de plus, avec une montée comme ça, c'est une autre histoire. Et ouais, si tu t'entraînes pas beaucoup avec l'équipe, avec tes différentes compositions, ouais, c'est dur à faire très bien. Qu'est-ce qui fait le plus mal? C'est la distance ou c'est la bosse? Bah, ça dépend tous de la gestion d'effort. Ouais, c'est ça en fait, peut-être le clé pour aller vite, mais pas trop vite aux premiers 30-40 km, pour quand même faire la montée très vite, mais sans perdre trop de personnes pour finir les 10 derniers kilomètres costauds, parce que si on coince là dedans, c'est fini. Merci beaucoup, Sylvain.